du rififi à la maison de la radio, alors que le journaliste animateur de la matinale de France Info Marc Fauvel a été nommé ce jeudi 11 mai nouveau directeur de l'information de la radio France Inter à partir de la rentrée prochaine, les équipes au sein de la station ne semblent pas toutes accueillir la nouvelle avec enthousiasme. Déjà, la rumeur de sa potentielle arrivée avait créé des inquiétudes, au prétexte que le comportement du journaliste avec ses équipes au sein de la matinale a été jugé rugueux par certains, selon Le Parisien. Dans ce journal, le nouveau directeur de l'information a tenu à apporter sa vision et à se montrer rassurant. Je comprends qu'il puisse y avoir des inquiétudes quand une immense professionnelle comme Catherine Nail, directrice actuelle de l'information de France Inter, qui part à la retraite à la fin de la saison, note de la rédaction. 120. Tout changement crée de l'incertitude. Mais je ne pense pas être rugueux, pour reprendre votre mot, a déclaré le futur ex-partenaire de Salia Braclia, ajoutant, en revanche, je revendique d'être exigeant. Après avoir pris connaissance de ces rumeurs, Marc Fauvel a raconté être même allé à la rencontre de la Société des journalistes de France Info qui lui aurait dit qu'elle n'avait rien à, lui, reprocher. Je pense que c'est le meilleur juge de paix, a ajouté le journaliste père de deux enfants. Des propos qui auraient pu calmer la situation. Marc Fauvel, la réponse de la SDJ ne s'est pas fait attendre. Pourtant, plus tard dans la soirée, les représentants de la Société des journalistes ont envoyé un mail au sein des équipes de France Info pour donner leur propre version des faits. Selon eux, s'ils ont bien eu une réunion avec le journaliste de la matinale à sa demande le 25 avril dernier, il est inexact de dire qu'il n'avait rien à lui reprocher. Durant ces échanges, nous lui avons indiqué ne pas avoir eu de témoignage d'accusation de faits graves et pénalement répréhensibles, mais que nous disposions de remontées attestant d'un comportement rugueux, de prise de parole autoritaire voire brutale de sa part, et nous avons tous été témoins, à certains moments, de ce comportement parfois limite, ont-il déclaré. Sans souhaiter remettre en question les qualités professionnelles du journaliste, par ce message, les représentants de la Société des journalistes ont surtout tenu à n'être ni manipulés ni instrumentalisés. Un communiqué qui risque donc de ne pas rassurer les personnes inquiètes par l'arrivée de Marc Fauvel à la tête de l'information de France Inter. Crédit photo, capture écran France Info.